Voilà. Je répète qu'il se peut que le Covid-19 soit une attaque terroriste contre le monde. Vous ne croyez pas? Voici le Covid-19. Parce que là, vous n'avez pas de doute. Okay? Ça, c'est le Covid-19. En image, le Covid-19, on symbolise comme ça avec ses trompettes. On a les protéines kinases, les protéines S et compagnie. Et donc, le visuel, c'est ça. Ok? Ça va être le plus proche de la réalité au niveau de l'image. Ça. D'accord? Ça, c'est le Covid-19. Sorti en 2019. Virus semblant apparaître de nulle part. Dans The Big Bang Theory. Épisode 3. Épisode 15 de la saison 3. À la 19e minute. 19 minutes et 27 secondes. Voilà ce que dit Sheldon Cooper. Tu as attrapé froid? Non, non, c'est sûrement une allergie. Tu veux des antihistaminiques? J'en ai plein, avec ou sans ordonnance du médecin, local, importé, expérimental. Ils sont efficaces? Pas vraiment, mais ils me mettent de bonne humeur. J'ai l'air d'aller comment, à ton avis? Vomissement incessant, nez bouché. Sheldon? Il se trouve que Penny est souffrante et elle ne pourra pas m'accompagner en Suisse, alors si t'es toujours intéressé, tu peux venir avec moi à sa place. Génial! Je vais faire ma valise. Dans une minute. Est-ce que tu peux être méchante? Je suis malade. Oui, ben moi aussi, figure-toi. C'est pas mon problème. Je veux pas tout contact avec d'autres personnes, enfin, en principe. Je sais pas quoi te dire, j'en ai aucune idée. Oh, Penny, merci! Oh, mais je t'en prie. Ce sont les symptômes. C'est l'image Covid-19. Cette image a été tirée en 2019. Celle-là. 2019. Celle-là a été produite en 2010 dans The Big Bang Theory. 2009, 10 ans plus tôt. L'apparition du Covid-19 n'a pas commencé en Chine. C'est ce que les artistes américains essaient de démontrer. Elle a commencé aux États-Unis, il y a 10 ans. Jusque-là, il nettoyait, et je pense que quelqu'un leur a échappé. The Big Bang Theory. Saison 3. Épisode 15. Les symptômes, le virus. Et aujourd'hui, on est presque 14 ans plus tard. On a découvert le coronavirus. Il y a 4 ans. Même symptômes. Même image. Les chefs d'État vous ont menti. Le Covid-19 existait depuis longtemps.